Salam alaikum. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo. Maintenant, on va parler pourquoi on déclenche une guerre et comment on la mène et comment on obtient des résultats. Bon, j'ai deux personnes en ligne de mire. J'ai montré leur photo dans la vidéo précédente. Youssef Belkabel Bel Mahdi, ministre des Affaires religieuses. Non, enfin, je vais bien citer son rôle. Ministre de l'instrumentalisation à des fins de l'instrumentalisation de la religion musulmane. Au service du pouvoir occulte, qui est lié au ministre de l'Injustice, qui n'est rien d'autre que Belkacem Zermati. Donc ces deux-là, on va taper très fort, c'est-à-dire que toutes les prochaines vidéos, je vais les citer tous les deux. Je vais citer pourquoi. Bon, maintenant, la guerre, c'est une guerre d'honneur. Il y a l'histoire de Cheyma. C'est quoi l'histoire de Cheyma? C'est une. Je vais bien expliquer l'histoire de Cheyma parce qu'on me redemande à chaque fois de bien développer l'histoire de Cheyma. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et me disent qu'ils n'ont pas encore compris. Je ne vais plus donner de date, hein, je vais donner des détails. C'est-à-dire que j'ai cette fille. Elle a été, maintenant je vais parler exactement. Elle a été violée. Elle a été violée dans son honneur. C'est-à-dire, cela, ça ne justifie. C'est-à-dire, personne n'a le droit de violer, même si c'est ta copine, même si c'est ta meuf. Moi, je vais parler en français comme ça pour que les gens. T'as pas le droit de la violer, mon ami. Enfin, t'es pas mon ami. Mon drôle de coco, t'es un frustré, t'es un malade, on va parler des violeurs, quelle est la sentence. Et pourquoi je tape sur Zermati, je vais écrire leur nom en grand, c'est-à-dire que je peux pas apprendre des noms comme ça, c'est des noms qui sont souillés. Leurs mains sont sales, leurs mains sont sales, les poches sont sales, leur ventre est sale, leur tête est sale, que ce soit Youssef Bel Mahdi ou Belkacem Zermati. Ces deux, ils sont dans ma ligne de mire. C'est-à-dire, je ne vais pas me reposer, je ne vais pas je ne vais pas perdre une seconde. Je ne vais pas faillir à mes promesses tant que ces deux, on va parler des deux, voilà, maintenant les vidéos des deux. On va pas, tant que ces deux n'ont pas été écartés, je vais pas m'arrêter. Et chaque vidéo va être plus dangereuse que la vidéo précédente. Cheyma, c'est une brave et courageuse fille, Inch'Allah, la Filjina, qui a eu le courage. C'est pas évident pour une femme, hein. Pas du tout évident. J'ai mal au ventre, franchement, j'ai des coliques quand j'en parle. Elle a eu le courage, elle était jeune, hein. Elle était très jeune. Elle a eu le courage de le traduire en face de la justice. L'injustice, c'est ça. Je mets le courant parce que ça m'apaise. Elle a eu le courage de l'affronter devant l'injustice. Et 4 ans après, il est relâché. C'est-à-dire, si monsieur Youssef Bel Mahdi, il n'a rien de monsieur, si le traître de l'islam, Khain l'islam, Khain l'islam ou Khain, c'est-à-dire c'est un traître de la nation et de l'islam,
et des valeurs de notre pays et des valeurs, beaucoup de valeurs, tous nos valeurs ont été. Bref, de Youssef Ben Mehdi ne s'est pas manifesté, n'a pas fait sortir une fatwa. D'accord ? Donc le simple harlag, c'est-à-dire que quelqu'un qui se met dans une barque parce qu'il n'arrive plus à avoir d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Les gens, quand ils partent dans une barque, parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Quand ils viennent en Europe, on va parler du phénomène, hein, du phénomène de l'immigration illégitime. L'immigrant illégitime, il a été poussé dans ces pays parce que toutes les ressources, enfin, ce que vous ne savez pas, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas en France. Je vais taper sur la France très très fort. Je ne vais pas taper sur les Français, le simple citoyen, il est manipulé. Comment dirais-je ? Je suis en transe, vous savez, quand je parle de trucs douloureux, je sors du sujet, je reviens parce que je n'arrive pas à continuer de parler de Sheyma, parce que ça m'a fait mal, là, franchement, ça m'a fait mal. Donc, il y a le khabith de Youssef Ben Mehdi, il y a le khabith, il y a le khain de l'islam. Ou alors, je vais parler en arabe, parce que là... وعلاه ما خرجت فتوى باللي اللي يختصب انا حين واضح بتشوفني ملاح بس مو جو با دو تري بري وعلاه ما خرجت فتوى باللي يختصب طفله انتما بناتكم تخبيوهم في كلوب ديبا وبناتكم تدافعوا عليهم بلا بوليس وبنات الشعب يجوز عليهم رولو كومبريسور بنات الشعب جدي بيان الشعب مانيش هضر على التعب لامرأة عندها بنتها تقول لي لافوت الغلطة تاع والدين شيماء ما تقولش هاد المرأة شكون Si vous mettez l'erreur sur le dos des parents de Sheyma, est-ce que vous réalisez que vous êtes dans l'erreur? راكم ناويين تحرفوا دي بصح دي ما تقدروش إن أنزلنا الذكرى ولا هو لا حافظون سيطلاديك كاين فما تستعرفوش تما به بصح هو معاقبكم يعاقبكم تخلصوا في الدنيا هذا بالدارجة ما دوك نهضروا حنا في حنا لو لانسال سو لا بون فامي دونك يا الخائن الخبيث تاع يوسف بالقاسم بالمهدي وبالقاسم زغماتي بعدا نولي له دونك خرج فتوى اسمع على ما خرجش فتوى باللي اغتصاب امرأة نورمالمون خرج فتوى حرام ولا حراك برك اللي شتو انت شت الحراك شتو الفيولور ما شتوش الحراك شتو المغتصب ما شتوش تقنوا باللي من بعد مور هذه ندير راس العصابه راس العصابه سي طادي نضرب منه من اوبليجي ترو دو بيرسون كي ترو دو سوجي ا اتاكي شو اوبليجي ديفلوبي شو اوبليجي اون اي اوبليجي دو ديفلوبي دونك يا الخبيث يا الخائن يا الحركي يا خائن
مرتزق خونة مرتزقة. أنتم خونة مرتزقة، عباك مش معناتها مرتزقة، أنت واحد منهم. تا بإذن الرحمن بإذن الله إن شاء الله الأئمة اللي راهم يسمعوا فيا قبل الجمعة، أنا في سيدنا رمضان إن شاء الله أني جبت أني جبت أني جبت كيفاش نقدر في سيدنا رمضان هذا. كل مسجد فهمني، نوليو المسجد غير بالدارجة دوك. دونك على ما خرجت فتوى بلي حرام الاغتصاب، وعلى ما خرجت فتوى بلي الاعتداء على العرض، وعلى ما خرجت فتوى على كي تلقوه، كي تلقوه نورمالمون تكون فاطن خدوا عين في زوج. وسي نكمل نكمل مع يوسف بن مهدي الخبيث والخائن كي نهضر عليك تجيني القيا، حاشاكم حاشاكم كي نهضر على هاد الزوج تجيني القيا. اكيل بوان فو مو ريبوني فو زيت ريبونيون. Donc, je continue l'histoire de Shema. 4 ans après, on lâche le violeur de prison. Et le ministre de la Justice, on lui met pas un... Je vais vous montrer comment on fait la justice. C'est-à-dire qu'on lui met pas un bracelet électronique. Et ça, on a les moyens de faire. Hein. On a les moyens, on a tout. Mais c'est que... Le pouvoir, il aime que le peuple entre dans la terreur. Il aime terroriser. Enfin, le plus grand terroriste, c'est l'État. Akbar Irhabi ou Doula Jazairia. Doula, je dis bien Doula Jazairia, Hadel. Doula Jazairia, Ntouma Akbar Irhabi. Ntouma Huma l'Irhab. L'Irhab ou Doula ou Doula Hier Irhab. Ntouma Huma l'Irhab. Parce que comme a dit tous l'Irhab, qui fait une lettre خيالها. C'est quoi un bracelet électronique? Je vais vous montrer c'est quoi un bracelet électronique. Supposons que c'est ça. C'est un bracelet. Un bracelet avec une puce. Voilà, un bracelet. On lui met un bracelet, mais il ne peut pas l'ouvrir. Un bracelet qui est scellé. Au pied, on le met au pied. C'est-à-dire que il peut être en prison chez lui. Et s'il sort du seuil de la porte, c'est-à-dire qu'il a un périmètre bien déterminé, s'il sort, s'il s'éloigne de 1 mètre, il y a la police qui le chope. C'est-à-dire que la police, le shorty, il y a bintik. Le gars, tout le shorty, donc on dit que c'est un chabban. Il est très très bien. Il est très bien. Il est très bien. Ça c'est pas un civil, c'est un shorty. Je défie. Shortyin, n'attaquez pas ça. Quel shortyin? Dubnetkom, un gynécologue. Hagda, ou dis-leur test. Hagda, je t'arrive au dubnetkom, ou je t'arrive chez eux. Dubnetkom, un gynécologue, ou dis-leur test de virginité. Ou alors, mais d'accord, c'est bien de se connaître à ça. وصار يبطل في هاد البلاد هكذا. الشرطه يا البيون يا المشيقاري يا البغل تضرب واحد بيافون الزدر في الشريفه وانت بالك مرتك هي مغتصبه. باسكو علاه يوسف بالمهدي الخبيث والخائن وبالقاسم بزغماتي
عم يخدموا يرمي يخدموا في واحد الخدمه هكذا عم يخدموا في واحد الخدمه ما يحبوش هي كاينه عفسه كيما هكذا بك كيمسي كوا كوما باغي ديتيكتي العجب هكذا دونك براسلي الكترونيك ما يديباسيش دير يا لي مويان يا في لو مويان ديفيتي سكي سي باسا شي ما داكور 4 ans après, il sort. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ce criminel. Qu'est-ce qu'il fait ce criminel? Qu'est-ce qu'il fait ce criminel? Il kidnappe. Hakda ya Yanas. Il kidnappe. Shima. Et ce qui se passe, il finit par la brûler. Il finit par la brûler après l'avoir torturé sur tous les plans. Je peux pas me taire sur un truc pareil, Monsieur Belkacem Zermati, parce que normalement, si chaque policier vous avez Charles Lyon. Je vais vous dire combien de temps vous avez. Il y a un short, il y a il y a lundi, tu publies un lundi. C'est le jour de la terre. Il y a des choses que je ne vais même pas citer. Sinon, je vais dégueuler en live. Des choses que je ne vais même pas citer. Donc, je ne vais pas citer. بالقاسم زغماتي ما كاين حتى شرطي حيمشي معاك ويوسف بالمهدي ما كاين حتى شرطي ما كاين حتى كلب حيمشي معاك ما كاين حتى بيون حيمشي معاك سي طادي منا المرضي حكايه تاع شي قلبي معمر منها قلبي مقرع باش يجونايا زعما طالبين في الجامعه يقولوا لي غامل في انترنت سلام